Paris, Parc des Princes. C'est ici que dans moins de 6 semaines, Johnny fêtera ses 60 ans. Mais avant cela, il y a du boulot. Sont présents à la réunion le producteur de Johnny, le réalisateur du spectacle, et Jimmy, le responsable de la sécurité. Bref, tout le monde est là. Et devant l'ampleur de la tâche, il va falloir des réserves de café. Jean-Claude Camus, le producteur de Johnny, envisage déjà les soucis, mais avec le sourire. Le moindre incident dans le spectacle, les bracelets, s'il vous plaît. Vous auriez pu être dans la même cellule. Une équipe de 100 personnes, 5 jours pour monter le décor, 90 semi-remorques pour le transporter. Bref, il y a quelques détails à régler. Tout le monde est là, pas vraiment. Johnny, pour l'instant, n'est pas là parce qu'on ne va pas l'encombrer avec ces choses-là. Ce que je lui conseille, moi, pour se relaxer parce que les répétitions commencent, c'est de faire une bonne partie de cartes avec ses copains et après il aura l'esprit du coup. Pas de doute, Jean-Claude Camus connaît son Johnny sur le bout des doigts. Le premier de nous deux qui fait un grand gin double. Attends, combien je t'en ai fait la dernière fois? Quelques-uns. J'en ai fait 7 sur une partie. Et oui. Au programme de cette réunion particulière, Gene Ramy avec son pote Marc Franceley. Si tu gagnes cette partie, je veux bien me faire moine. Ah ouais? Mais c'est pas aujourd'hui que je te proposerai fraîche. Hein. Je te dis tout de suite. Non, on va se payer ça vite fait. On ne plaisante pas avec le Gene Ramy. Johnny est très concentré, pas vraiment bavard. C'est une des cartes que je ne pouvais même pas espérer en rêve. Johnny, c'est pas quelqu'un qui a besoin de parler tout le temps, parce qu'il connaît tout, toute la vie. Il a une vie tellement extraordinaire, tellement fabuleuse, que qu'est-ce que tu veux qu'on parle toute la journée? Et donc, en fait, si tu veux, de temps en temps, ouais, c'est bon, de temps en temps, on est bien, on n'a pas besoin de... Le silence est bien dans une partie de cartes. Je vois même pas comment je peux perdre cette partie. Bon, c'est sûr. Moi, je me demande d'ailleurs comment tu pourrais la perdre. Oui. On a du mal à imaginer, en voyant ce joueur attentif, presque raisonnable, que dans une autre vie, Johnny a côtoyé le démon du jeu. Que ça ne sert à rien. J'étais très joueur. Et un jour, je suis parti en tournée pendant... C'est à l'époque où je faisais des tournées plus longues que maintenant. J'avais fait 6 mois de tournée. Et le désastre, c'est qu'on a fini à Deauville, la tournée. Donc évidemment, après spectacle, on a été dîner et j'ai été jouer au casino de Deauville. Et en 3 heures de temps, j'ai perdu tout l'argent que j'avais gagné en tournée depuis 6 mois. Et ça m'a tellement dégoûté que ce soir-là, je me suis fait interdire. Dis. Oh. Comment est-ce qui t'arrive? C'est toute ta vie, ça. Même 3 points, j'ai... Et quand Johnny gagne, c'est bien sûr en toute modestie. Lui, il a une benne de cocu. Moi, non. Moi, je joue bien, tout simplement. Pendant ce temps-là, au Parc des Princes, les heures ont passé et cette réunion, la première d'une longue série, touche à sa fin. Allez, ça ira pour aujourd'hui. Rompez les rangs. Le réalisateur Gérard Pulicino et le producteur Jean-Claude Camus, une poignée de main pour deux hommes qui se respectent. Ah, c'est une vieille histoire. Gérard, c'est quelqu'un, je ne voudrais pas faire une retransmission sur les artistes que j'aime sans que ce soit lui. Oh, c'est gentil, je parce dirais que c'est réciproque. C'est un monsieur qui a fait un travail génial plusieurs fois, mais la Tour Eiffel, il fallait un maître pour le faire. Merci. Ce qui a été rendu, voilà. Je suis rouge, non? Et je le pense. Merci, c'est gentil. Tu sais, c'est un plaisir de travailler. Je n'ai pas l'habitude de dire des choses que je ne pense pas. Bon, ben, je suis ému, je m'en vais. Au revoir. À bientôt. À quelle heure vous avez commencé à jouer depuis plus d'une heure et demie? L'autre conférence au sommet, elle, se poursuit et un soutien logistique arrive. Qu'est-ce que ça fait? Lisse. Tu vas pas te laisser faire, maman? Ouais, toi. Oui. Oh! C'est parce que je suis là. Ouais. J'ai porté de l'air. Je rêve. Je rêve. Ouais. Qu'est-ce qu'il était bon, le petit sandwich que vous a fait? Bon, merci. Voilà. Une journée bien remplie. Ça te fait marrer, toi.